actually, man. You're in Dope for Monkeys, you're me a Fairview. À l'âge de 14 ans, je te dirais, j'ai eu la chance de mettre la main sur une basse. Cet instrument-là, je l'ai adopté tout de suite. J'ai senti tout de suite que j'étais fait pour jouer de la basse. Et puis à 19 ans, je me paye une contrebasse. J'ai tout de suite fait des démarches pour me trouver un bon professeur. J'ai trouvé quelqu'un qui était dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Et lui m'a dit, écoute, Normand, tu as assez de talent, tu pourrais passer des auditions conservatoires, puis tu pourrais faire ça, un métier avec ça. La piqûre pour le jazz, je l'ai eu vraiment à l'âge de 19 ans. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais vraiment regardé en arrière. Ça a été vraiment le moment où j'ai dit, d'accord, je vais faire une carrière dans le jazz. Et puis, tu vois-tu, ça fait au-delà de 30 ans, pas loin de 30 ans. Puis la vieille école, c'est quoi? C'est, tu prends un jeune, tu le mets sur une scène, puis tu lui dis, saute, plonge, nage. Hein, c'est ça. Les seules références que tu as, c'est ton oreille. Alors, tu travailles beaucoup à l'oreille avec des musiciens qui ont beaucoup d'expérience. Et puis, t'apprends sur le tas, comme on dit. Surtout en étant bassiste, parce que, comme je te dis, la basse, c'est vraiment un instrument de soutien. Le travail fondamental est à partir de la basse. Alors, si le bassiste est un peu mêlé, s'il est un peu dans le champ, comme on dit, ben c'est un peu tout le monde qui est dans le champ. Je suis content vraiment de revenir à Québec parce que je sais qu'il y a un public ici pour le jazz, je sais qu'il y a des amateurs de jazz. Ce qui manquait, c'était des amants, des promoteurs de jazz qui ont à cœur cette musique-là, qui ont à cœur aussi les artistes. Et puis, en Gino Sainte-Marie, en Virginie Hamel, en Simon Couillard, il y a comme un renouveau, une renaissance du jazz à Québec. Et puis, j'en suis très heureux. Bonjour, je m'appelle Oliver Jones. L'année prochaine, ça va faire exactement 70 ans depuis que j'ai fait mon premier concert. Je suis né à Montréal, dans le quartier de Saint-Henri. J'ai aucune idée pourquoi que j'ai choisi le piano. Ça se peut que c'est le piano qui m'a choisi, parce que mon père était un amateur de musique. J'étais le plus jeune d'antan. J'en ai trois sœurs. Puis, à l'âge de 3 ans, apparemment, ma grande sœur Liliane a dit que j'ai commencé de trouver les petites tunes que j'ai entendues sur la radio. Mais ma mère, elle disait que vers l'âge d'un an et demi, 2 ans, je pourrais rester en avant le piano pendant les heures. Elle m'a dit que c'était la seule place que j'étais tranquille. Il y avait un bonhomme dans notre église qui m'impressionne beaucoup. Vers l'âge de 4 ans, j'ai entendu un monsieur Oscar Peterson qui jouait parce qu'on restait tous dans le même quartier. Puis à l'âge de 5 ans, c'est là que j'ai fait mon premier concert avec des... C'était le premier morceau que je jouais devant le public. Puis après, à l'âge de
6 ans, 7 ans. Là, j'ai commencé de prendre mes cours classiques avec la sœur, la grande sœur de Oscar Peterson, Daisy Sweeney. Puis surtout, toutes mes affaires, ma musique classique, on dirait qu'il y avait un genre de musique jazz dessus. Si je faisais... C'est pas comme ça que Chopin l'écrit. Ma professeure, elle ne m'a pas encouragé, mais on voyait qu'elle était fière pareil parce qu'elle a dit que j'avais une oreille exceptionnelle pour un enfant de 7-8 ans. Puis, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit, surtout la fin de semaine, parce que mes parents trouvaient que c'était l'école qui était la plus importante. Puis vers l'âge de 11-12 ans, j'avais d'autres musiciens de mon âge. Puis on avait formé un petit orchestre avec un saxophoniste, Richard Paris, puis un batteur, Bruce Parent. En arrière de ma tête, c'était toujours, oh, peut-être un jour, je vais avoir l'opportunité de gagner ma vie seulement avec la jazz. J'ai pris ma retraite en 2000. Puis durant cette période, je pense que j'ai touché le piano peut-être 5 ou 6 fois. En 2004, une opportunité de partager la scène avec Oscar Peterson. Finalement, je vais avoir la chance de faire quelque chose avec mon idole. Je pense que je vais essayer de continuer pour un autre 3 ou 4 ans. Bonne chance à le Festival de jazz de Québec. Pour moi, le jazz, c'est génétique. J'ai entendu ça aussitôt que j'ai pu entendre de la musique, c'est ce que j'ai entendu en premier. On m'a pas demandé si je voulais faire de la musique, on m'a demandé de quel instrument je voulais jouer. Et puis, ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu une émission de télé à l'époque où il y avait un big band, et puis je sais pas si c'est parce que les saxophones sont assis devant ou c'est la forme, il y a quelque chose, une sensibilité dans cet instrument-là. J'ai dit, ah, c'est ça que je veux jouer. Et puis, j'ai enfin eu mon saxophone quand j'avais 9 ans. Tant que j'aurai la condition physique pour le faire, ben, je ne peux pas me concevoir arrêter d'en jouer. Ça m'amènera où ça m'amènera, je ne sais pas encore, mais l'histoire est à écrire encore. La famille de mon père vient des Caraïbes. Et j'avais aussi une formation forte dans la musique classique. Je joue du piano depuis que j'avais 5 ans. Quand j'avais 14 ans, il y avait un camp, un atelier de jazz à l'université d'Alberta, à Edmonton. C'était plein, mais à la dernière minute, il y avait une place disponible. Mes parents ont dit, il faut que tu ailles. Alors, je suis allée et ça a changé ma vie. L'instant que j'ai décidé que je voudrais faire ma vie avec le jazz. Thank you.
répète.